Parmi les mots d'ordre de 68, il y avait le refus de la récupération, c'est-à-dire la position d'une opposition absolue entre ce qui est de l'ordre du pouvoir et ce qui est de l'ordre de la contestation. Moi, j'aime bien les ambiguïtés, j'aime bien cette fibre qui sort de 68. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Michel Foucault, et Michel Foucault, c'est quelqu'un qui aimait bien faire fuir les institutions, c'est-à-dire non pas se placer en dehors ou en dedans, comme il disait, il faut être aux frontières. Bon. Installer une question comme celle-là, et puis voir comment on peut la faire fuir de mille manières dans mille endroits du monde, y compris d'ailleurs dans des endroits où c'est pas facile aujourd'hui de poser cette question-là. Il y aura des nuits des idées à Ankara, à Kinshasa. Donc ce sont des colloques, hein, des événements, des happenings, des spectacles, tout, il y a de tout. De tout. Aller voir. C'est des conférences, des tables rondes, des débats, des dialogues, des forums, des performances, des projections. Chaque lieu imagine un format à sa manière. Il y a une nuit des idées interdites aux mineurs au Frac Lorraine. Ça m'amuse assez que la Lorraine interdise la nuit aux mineurs, mais c'est une autre chose. Mais l'idée, c'est vraiment de jouer la diversité. Et dans cette diversité-là, après tout, ce n'est pas que la révolution adviendra ce soir, mais peut-être que ça peut donner des idées et continuer de les faire vivre. Mathieu Pot-Bonneville, tout à l'heure, vous évoquiez ces insomnies qui vous habitaient, d'où peut-être l'idée d'organiser des événements la nuit. La nuit, il ne faut pas consommer, il faut faire quoi? Qu'est-ce que vous faites de ces insomnies, Mathieu, la nuit? Des tweets. Vous tweetez? Je fais des tweets. Des tweets de colère, des tweets de poésie, des tweets de réconciliation? Oui, quelque chose d'une résilience se cherche dans mon écriture. Vous en avez bavé dans la vie personnelle, Mathieu Pot-Bonneville, ou pas? Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des joies et des peines. Je vois une souffrance, je vois cet enfant que vous fûtes, je vois une colère. Maman n'était pas là beaucoup à la maison, et pourtant Dieu sait si elle était aimée. Cette séance est à 70 euros, Mathieu Pot-Bonneville. Ce sont les psychanalyses express du matin. Vous n'acceptez pas l'échec, évidemment. Jamais. Ni l'échec, ni la défaite. Merci.